Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme, les amis. Aujourd'hui, on va jouer un jeu extraordinaire. Un jeu que je ne connais pas. Donc, je vous dis qu'il est extraordinaire, mais je ne le connais pas, les amis. C'est un nouveau Pokémon. Oui, Pokémon Blue Kaizo, ça s'appelle. Aucune idée. C'est en anglais, hein, je dois vous dire. C'est en anglais, d'accord? Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, je n'ai aucune idée, j'ai lu quelques commentaires que la plupart, ils ont kiffé, hein, donc je ne peux pas vous dire plus. La seule chose que je peux vous lire, c'est un hack beaucoup plus difficile de Pokémon Blue, où vous pouvez obtenir 151 Pokémon de la première génération. De nombreuses zones ont été redessinées et de nombreux donjons et des routes sont plus traitées qu'auparavant. La réparation des Pokémon sauvages est grandement améliorée avec des niveaux assez proches du dresseur. Vous pouvez prendre toute une variété de Pokémon assez tôt dans le jeu. Ah, et vous pouvez acheter des Haters, je sais pas ce que c'est. Autre Brock et Misty, un couple de dresseurs rivaux, tous les boss auront des équipes complètes. Un bon conseil d'économiser les bonbons rares, de ne pas les utiliser dès le début, car il devient beaucoup plus difficile de monter de niveau dans les étapes ultérieures. Mais une fois que vous battez Blaine, vous pouvez attraper quelques Pokémon au niveau très élevé, juste avant la route de la victoire, et vous pouvez obtenir des types psychiques. Ok. La route de la victoire sera le donjon le plus difficile à terme de bataille, puisque 99% des dresseurs auront des équipes complètes de 6 Pokémon. Mais une fois passé la route de la victoire, vous pouvez acheter des bonbons super rares à bon marché, pour atteindre le niveau 100. Et il est essentiel que vous obteniez ce niveau parce que les 4 dresseurs élites seront la partie la plus difficile du jeu. Ah ouais, si là on te dit que tu dois être déjà niveau 100 jusque-là, truc de fou. Bien sûr, nous on va pas jouer, jusque-là, bien évidemment, parce que ce serait trop hardcore. Mais on verra bien. On verra bien. Allez. Ah, j'ai un peu peur. Je dois vous dire, j'ai un peu peur. Hein, donc, je vous cache pas que là, vous entendez déjà le bruit. Ah, je sais pas. Ah ouais, avec Mewtwo, carrément. C'est quoi ce délire? Oh, le bruit. New game. Comment 4, c'est super. Ah ouais, putain, ça fait plaisir de revenir dans des Pokémon comme ça, les gars. Un truc de fou. C'est quoi ce délire? Right, our boys are leaving home someday. I say on TV. Next door is looking for you. Ok. Ok, it's unsafe. Wild Pokémon alive and tear grass. You need to be another Pokémon for you the protection. I know. Here is what you mean. Bon, je suis pas tout à fait fan de l'anglais, je vais vous dire. Donc on peut choisir les Pokémon, à commencer. Pour ceux qui ont joué l'ancien Pokémon, je pense que vous savez ce qui se passe, vous savez les choix qu'on peut faire. Les 3 choix, vous les avez déjà affichés sur l'écran, de toute façon. Hey, it's Gramps, what about me? What about me? Be passion where you can have. Ok. Ok, c'est à nous de choisir. Squirtle! 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 Squirtle is a water Pokémon! Nope. Nope. I need Charmander. Vous allez rigoler, mais en italien, il s'appelle comme en anglais. C'est ça ce que je comprends pas, ils ont pas eu de... Wait a minute! Oh là là. Trop la nostalgie, les gars. J'ai trop la nostalgie 1900, là. De fou. Want to fight... Mew! Nani? Questo mi mette un Mew così! Guarda, perché è bello! Ci mettiamo un Mew!
Donc je vous rappelle que c'est autrement, d'accord? Donc là vous voyez que j'ai déjà l'attaque. Matza. Vous imaginez, il a Mew lui. C'est fou de ma gueule lui. Mew. C'est hallucinant. Oh, arrête, il se remet en super. Donc t'es obligé de perdre, c'est ça? Dis-moi que c'est ça. Smell you later. C'est vrai, bah, lui reçoit un Mew, attends. Fou ma gueule. Professeur Chen, y a un problème là. Tu you fous ma gueule? Non, parce que l'autre il a le Mew, moi je n'ai pas. Est-ce que tu te fous ma gueule? Et là il y a quoi? Mewtwo? C'est cool quand même. Ah ouais, ils ont vraiment. Ils ont changé. Là c'était pas comme ça avant. Cool. Cool, cool. Et voilà, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Le gym. D'accord. Un fitness. Ok. Bon, on va à gauche. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris le délire. D'accord, vous voyez ce que je vais vous dire? Vous trouvez d'autres Pokémon. Voilà, c'est ça en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Comprends complètement un autre délire. D'accord. Là, c'est complètement un autre délire. Ok, cool. Cool quand même. Cool quand même, je trouve, ce concept de trouver d'autres Pokémon. Moi, je trouve que c'est... Il y a quelque chose. C'est cool. C'est réellement cool. C'est réellement cool. Donc là... ouais, mais j'ai pas d'argent maintenant. Ah. What's the right is all the came for the ticket for him. What's the pass? Ah, d'accord. À la base, je voulais acheter des Pokéballs. Dans le paquet. Oh, it's just a custom Pokéball. It's an order. Oh, thank you. Okay, give me the fucking Pokéball, fucking asshole. All right, I will request an order of you. It's with the desk there, you know, my definition of pocket axe. So, after a while, we record this date on the... Ok. J'arrête. Pokédex, il nous donne le Pokédex, comme ça, le Moray. A Pokémon of the world, the tech world, it's a fucking world, they're dreaming on it. Oh yeah, they're great, but they understand. It's the right graphs, leave it over to me, I'd have to say, but... On dirait que c'est un truc de battle, là. Comment je parle, c'est incroyable. Je pourrais avoir un Mewtwo, je sais pas, t'en as pas un là dans le coin? Je demande, hein, on peut toujours demander, on sait jamais. Hein. Voilà les amis, qu'on termine ainsi cette vidéo. J'avais pas envie de vous faire un jeu de 5 heures, bien évidemment. Ce jeu est sorti en 2014, donc seulement, bien sûr, en émulateur. Hein, donc je tiens quand même à vous le dire, vous le trouvez pas dans les magasins. Mais vraiment, vraiment cool l'idée de sortir ce genre de jeu, bien évidemment. Je vais pas maintenant vous faire 50 vidéos là-dessus, c'était un seul pour vous le présenter. Si vous êtes peut-être intéressé, le jeu là, vous le trouverez sur Room Station. Donc je suis pas sponsorisé par Room Station, que je vous dis ça. Mais si vous êtes intéressé, il est là-dessus. Donc sur Room Station, franchement cool. Cool, belle idée, belle initiative, j'ai envie de dire. Le petit changement tout simplement de cela. Franchement très très cool. Bref, sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce jeu. Incroyable quand même. Et beau, hein. Donc sur ce, à la prochaine, votre Elpa, triple piste.